DSL répondre. On va voir comment les utiliser. Je vous ferai une petite démo. Alors, comme je suis développeur PHP et que je m'occupe de tout ce qui est PHP, je vais utiliser les SL de PHP pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je pourrais juste aborder le point du packaging. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est juste pour vous montrer qu'en fait, c'est pas si compliqué. Un petit point dans les distributions Linux. Alors, c'est ce que tu viens de dire en français. Le but des SCL, c'est d'installer une pile applicative sans toucher au système. C'est-à-dire que vraiment, on va être indépendant du système. On a notre système qui est livré avec une vieille version de PHP, par exemple PHP 5.1 sur NetOS 5, et on va pouvoir installer à côté une autre version beaucoup plus récente pour répondre à nos besoins. Surtout, on ne touche pas au système. On a la force d'une distribution entreprise, je crois, c'est la stabilité. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une maintenance sur 10 ans et une stabilité qui a été prouvée, je pense, où vraiment on ne s'amuse pas à casser la distribution au cours de son cycle de vie de 10 ans. Donc vraiment, on va se mettre à côté de manière complètement indépendante du système pour ne pas casser cette stabilité-là. Et puis surtout, on peut l'installer en parallèle. On va pouvoir en installer plusieurs. Plusieurs versions installables en parallèle. Alors, les besoins, premièrement, si on considère une distribution entreprise, donc Red Hat ou CentOS, comme on veut être stable, on va proposer la même version pendant toute la vie de CentOS. CentOS 5 est sorti avec une version PHP 5.1.6 et sera maintenu pendant 10 ans avec de la 5.1.6. Red Hat 6, CentOS 6 sont sortis avec PHP 5.3.3, c'est une version jeune, c'est dommage. Ils seront maintenus pendant 10 ans avec la 5.3.3. Oui, donc là j'ai marqué les exemples. Le problème c'est qu'aujourd'hui le standard, par exemple, bon je prends l'exemple de PHP, mais la norme standard aujourd'hui c'est PHP 5.3. La plupart des frameworks, la plupart des applications c'est PHP 5.3. Et on sait que ça va basculer, la prochaine version de référence sera sans doute la PHP 5.5. À l'opposé, des distributions à support court, donc je prends l'exemple de Fedora que je connais bien, qui bougent très très vite, vont changer aussi de version très très rapidement. Fedora 20 est sorti, Fedora 19 est sorti par exemple avec PHP 5.5. PHP 5.5 est sorti une semaine avant Fedora 19, donc ça a été vraiment très très court. Fedora 21 aura sans nul doute PHP 5.6. Donc on a quelque chose qui avance très très vite. Mais c'est le rôle de cette distribution-là, c'est le rôle d'avoir des distributions qui vont vite pour fournir rapidement les dernières versions pour que les développeurs puissent jouer avec les dernières versions. C'est pas du tout la même site. Ça, c'est un autre besoin. Ça, c'est un besoin plus pour les développeurs. Un développeur qui fait une application, il va avoir sans doute besoin de la tester avec différentes versions. C'est-à-dire, je développe une application, je veux m'assurer qu'elle fonctionne en PHP 5.3 parce que je veux être sûr qu'elle va continuer à fonctionner sur CentOS, qui est une des références entreprises. Mais je veux aussi m'assurer qu'elle tourne sous PHP 5.4 qui sera dans CentOS 7. Et dans PHP 5.5 pour préparer le futur, parce que je veux être sûr que ça marche, je vais essayer d'avoir une application qui soit le plus compatible possible. Autre cible, les systèmes admin. Vous êtes sysadmin, vous prévoyez une migration de CentOS 6 à CentOS 7 par exemple, vous savez que vous allez passer de PHP 5.3 à PHP 5.4, c'est des choses que vous voulez tester avant. L'idéal c'est d'avoir une machine PHP, une machine CentOS 7 tout de suite, mais ce n'est pas encore disponible. Et puis avoir plusieurs versions, ça peut être aussi quelqu'un qui fait du hosting web, et qui veut dire, bah, j'ai tel client qui va utiliser PHP 5.3, tel client PHP 5.4, tel client PHP 5.6. Un autre besoin d'entreprise, alors, c'est le fait d'avoir une version supportée. On en a parlé tout à l'heure ce matin, quelqu'un qui en parlait. Les gens ne veulent pas qu'on utilise d'autres dépôts que les dépôts officiels de la distribution.
Quand on est chez Red Hat, là, ça met en jeu carrément le support officiel Red Hat. Si vous prenez des paquets Red Hat, vous êtes supporté. Des paquets non Red Hat, vous n'êtes pas supporté. Mais de la même manière, la communauté CentOS, si vous utilisez les paquets CentOS, pourra essayer de vous aider. Si vous utilisez un dépôt tiers quelconque, la communauté ne pourra plus vous aider. Hein, bon, en général, EPEL est assez bien considéré par les gens de la communauté. Les autres dépôts tiers, en général, beaucoup moins. Un autre point, c'est de devenir indépendant du système. Ce matin, quand on parlait de, je ne sais plus quelle application, on a abordé le problème de déploiement d'application, ça peut être intéressant de dire, je vais avoir la même pile, PHP ou Python ou Ruby, que je sois sur CentOS 6, CentOS 7, Fedora 20, ou je ne sais quelle autre distribution. C'est-à-dire qu'on peut imaginer avoir la même pile, les mêmes versions en phase sur CentOS 6 et CentOS 7. CentOS 5, on pourrait aussi mettre CentOS 5, il n'y a pas de problème. Et des besoins que j'ai mis, on veut quand même que la solution soit simple, déjà pour ceux qui doivent faire les paquets, comme on a dit, pour monter une usine à gaz, même si ceux qu'on regardait ont quand même trouvé que c'était un peu une usine à gaz, mais pour moi ça reste simple, il faut qu'on s'y mette. Simple pour les 6 admins, on ne veut pas non plus torturer les gens avec des trucs hyper compliqués, et puis simple pour les utilisateurs. Voilà. Pour ce suffit. Je crois que je voudrais qu'on arrive à retenir que ça peut être effrayant au début, mais en réalité c'est très simple pour tout le monde. Et je vais essayer de vous le prouver. Pourquoi il m'embête ? Alors, est-ce qu'il existe d'autres solutions que le SCL ? Ben, il existe la virtualisation. Ouais, si vous voulez faire tourner 3 versions de PHP, vous pouvez tourner 3 OS différents dans 3 machines virtuelles. C'est un peu lourd pour un développeur qui a un petit portable, c'est pas forcément l'idéal. Vous pouvez builder vos propres versions vous-même et les installer où vous voulez sur le système. Ouais, c'est pas forcément à la portée de tout le monde, c'est complexe, mais bon, c'est clairement pas supporté et c'est des choses catastrophiques. Je parle d'alternative, alors alternative ne résout pas le problème en lui seul. Mais la grosse différence avec Alternative, SCL, on va le voir, n'utilise pas du tout Alternative, puisque Alternative, qui est un petit peu utilisée sur les distributions Red Hat Fedora, ça a un impact système. C'est-à-dire que par exemple, ça peut vous permettre de choisir le serveur de courrier pour passer de PostFix à SendMail ou autre chose. C'est très bien pour un truc système qui impacte tout système. C'est pas adapté du tout. Sur des piles par exemple de langage, où vous pouvez avoir un projet qui va utiliser une version, un autre projet qui va utiliser une autre version, chaque utilisateur pourra choisir sa version et pourra changer. On veut vraiment que chaque utilisateur puisse choisir. Ça ne va pas être un choix de l'administrateur. Or aujourd'hui, Alternative, c'est quelque chose qui marche pour l'utilisateur. Puis je vais citer Docker, parce que quand même, c'est faux, hein, sinon on est has-been. Ouais, c'est buzzword, hein, c'est Docker. Voilà. Donc Docker, c'est une alternative. Enfin, c'est pas un concurrent. Si vous voulez faire une image Docker avec un PHP 5.3, vous prenez l'image CentOS. Si vous voulez un Docker avec un PHP 5.4, vous prenez l'image CentOS et vous faites un yum install de PHP 5.4 dessus, vous l'aurez. Le gros intérêt, c'est de fabriquer votre image, sera beaucoup plus facile. Donc en quelques instructions dans le Dockerfile, vous allez avoir un serveur LAMP. Vous choisissez les versions MySQL, MariaDB, PHP que vous voulez. Vous construisez votre image Docker et après vous l'utilisez. Donc ce n'est pas du tout concurrent. Au contraire, Docker peut s'appuyer. De même qu'OpenShift. OpenShift peut aussi utiliser les SCL pour récupérer différentes versions des logiciels. Oh. Alors, qu'une software collection? Une software collection, déjà, c'est des RPM. Donc, c'est très intéressant parce qu'on bénéficie de toute l'infrastructure de distribution. C'est-à-dire que c'est des paquets qui seront dans des dépôts, dans le même dépôt ou dans un autre dépôt, ça dépend des choix qui seront faits.
chez CentOS, il y a un dépôt particulier pour mettre les SCL. Chez Red Hat, il y a aussi un channel particulier. Mais c'est des choses que vous savez déjà manipuler, vous savez installer, vous avez Yum ou un front-end, vous savez les installer, ça gère les dépendances, tout est bien géré. Donc on bénéficie du système de packaging existant, hein, on s'appuie dessus, on n'a pas réinventé un autre système de packaging. On réutilise le système de packaging. Simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va le déplacer, au lieu de s'installer dans l'arbre habituel, donc dans slash USR, globalement, enfin, slash, on va s'installer dans OPT. C'est prévu par la norme FHS. Je ne sais pas ce que ça veut dire, FAL, hiérarchie standard, donc c'est normalisé. On vient même de l'amender pour qu'elle soit un petit peu plus précise entre la notion de vendeur et de provider. Enfin, un tout petit changement. Donc, OPT, le vendeur pour les SCL qui viennent de chez Red Hat, ça sera RH. D'ailleurs, dans le Ruby CentOS, c'est aussi RH. Je pense que ça veut dire RH, on va dire ça. Et SCL name, donc par exemple, si vous avez une SCL, c'était une joke où j'ai dit, je ne sais pas ce que ça veut dire RH, moi ça peut être Registry Hive, Rush Hour, Ressources humaines, c'est bien, j'aime bien. Ressources humaines, bon, non, c'est quand même, il est quand même enregistré au niveau de Guyana, et RH, ça veut dire du bon. Donc OPT RH, et par exemple PHP 5.5. Donc comme vous avez un arbre séparé, vous êtes complètement isolé du système déjà au niveau des fichiers. Et tous vos fichiers sont en dehors. Ce qui veut dire que si vous voulez utiliser ce qui est dans cet arbre-là, vous allez être obligé de donner des chemins différents, etc. Donc là, on a un launcher, le launcher qui va nous permettre de lancer des outils qui sont dans cet arbre OPT. À chaque fois, je mets ça des bugs. Alors je vais revenir dessus, je vais prendre l'exemple d'une collection. Justement, il y a effectivement, on va voir que complètement séparé, c'est pas tout à fait vrai. Alors, avant d'utiliser les SCL, il y a un outil SCL utile, c'est ce qui permet de gérer les SCL. Donc ça c'est un projet propre, qui a ses sources, son dépôt Git et qui gère les SCL. Donc principalement, SCL utile, il ne fournit presque rien. Il fournit la commande SCL qui va permettre de lancer. Et il fournit un dossier dans EDC qui va contenir la liste des SCL. Alors, simplement un index avec le nom de la SCL et dans quel dossier elle est installée. On peut imaginer avoir plusieurs vendeurs et que chaque vendeur fournisse ses SCL avec des noms différents dans le dossier différent. Et puis il y a un paquet SCL build, SCL utile build. Donc là, c'est vraiment l'outil pour les packagers. C'est l'outil qui permet de fabriquer des SCL. Donc c'est pas. Mais pour l'utilisateur ou pour sysadmin, c'est quelque chose qui normalement n'est pas utile. Alors, une SCL, au départ, il va déjà y avoir un paquet qui va porter le nom de la SCL. Par exemple, vous voulez Python 3.3, la SCL s'appelle Python 33. Donc, vous allez avoir un paquet qui va s'appeler Python 33. Ça, ce paquet-là, en fait, il est vide. C'est juste un paquet qui vous permet de l'installer simplement. Vous faites yum-install Python 3.3 et il va vous installer le contenu, les paquets communs de la SCL avec le plus de choses. Bon, il va vous installer les paquets de base. Souvent, c'est 10, 15, 20 paquets. Il ne va pas forcément vous installer tout. Alors, il y a certaines SCL où il installe tout. D'autres où il installe un jeu minimum. PHP, il installe un jeu minimum. Il y a un autre paquet qui s'appelle, donc par exemple, Python 3.3 Runtime. C'est en fait l'équivalent du paquet qui s'appelle FileSystem. FileSystem, c'est le paquet qui crée l'arborescence au départ. Donc ça, d'ailleurs, moi, je l'aurais bien appelé FileSystem, je ne l'aurais pas appelé Runtime. Il s'appelle Runtime. Donc dedans, il y a tout l'arbre. Il y a tout l'arbre, tous les fichiers, toute la structure qui sera dans OPT. Et puis après, il y a deux paquets
pour les développeurs. Donc, le nom de la SCL Build, ça c'est pour fabriquer des paquets dans la SCL. Donc pareil, ça c'est des trucs pour les packagers. En réalité, c'est assez simple. Ça contient uniquement des macros. Pour ceux qui ont peut-être regardé déjà un petit peu SCL, je ne sais pas si vous avez encore regardé, j'ai oublié de poser la question. Un nouveau paquet vient d'apparaître dans la nouvelle version qui est actuellement publiée en bêta, qui est le paquet SCL Devel. Donc ça, c'est un paquet plus compliqué. C'est les gens qui veulent vraiment se torturer l'esprit, qui veulent faire des SCL utilisant d'autres SCL. Ouais, mais ça, j'irai globalement, à la limite, ces paquets-là, vous pouvez les ignorer. Vous avez juste à connaître le nom de la SCL, vous installez celui-là et c'est lui qui va faire tout le boulot. Hein, pour le sysadmin et l'utilisateur, c'est celui-là, il n'y a que celui-là qui est intéressant. Les autres vont se... Alors... Contenu d'une SCL. Donc là, j'ai pris comme exemple une SCL qui s'appelle HTTP D, j'ai oublié un D, HTTP D24. Comme son nom l'indique, enfin, on peut le laisser deviner, c'est Apache version 2.4, qui est quelque chose qui est très 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 attendu pour les utilisateurs. Enfin, je suis régulièrement sur les forums, sur les channels IRC, etc. Il y a énormément de gens qui nous demandent comment on fait pour installer Apache 2.4, parce que Apache 2.4 apporte vraiment des choses en plus. Donc cette SCL-là, elle n'est pas encore disponible de manière officielle, j'en reparlerai tout à l'heure, mais bon, elle arrive. Donc si on liste tous les paquets qui sont dans cette collection, on retrouve tous les paquets Apache que vous pouvez connaître, APR, HTTPD, les modes, etc. On retrouve les paquets simplement avec le préfixe HTTPD24. Voilà. Et on va retrouver la même chose. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... j'ai regardé le contenu du paquet HTTPD. Donc là, et c'est là que je vais répondre à la question du contenu. Est-ce qu'on est vraiment tout dans l'arbre ou pas tout dans l'arbre? Alors, t'avais pas un ton laser, hein. Ça me permettrait de pointer, ça m'éviterait de courir dans tous les sens. Ouais, mais c'est bon de faire un peu de sport. Hein? C'est bon de faire un peu de sport de temps en temps. Ouais, mais je suis fatigué là, il est temps. Si vous êtes fatigué. Non, mais c'est juste pour le pointeur que je veux. Okay. Comment tu l'as vu? C'est le bon bouton en haut. Ah d'accord. Ici, on se rend compte qu'on a quand même deux fichiers qui sont dans ETC, qui sont dans le système de base. Là, on ne peut pas faire autrement. Hein. C'est le fichier qui configure la rotation des logs et le fichier d'init. Bah oui, le fichier d'init, il est système. Si on veut ajouter un service, on est bien obligé de le mettre dans l'init du système. Là, on n'a pas le choix. Donc, on a quelques petits fichiers comme ces deux-là qui sont une exception à la règle de dire on met tout à côté. Par contre, le nom du service est préfixé pour ne pas rentrer en conflit. Vous pouvez avoir un HTTPD normal et un HTTPD 24 HTTPD à côté. Donc, on a toujours préfixé par le nom de la collection. Donc, ça, c'est l'exception. Alors, après, donc en dehors de ces exceptions ici, tout le reste va être dans OPT. Tout le reste. Alors, c'est une discussion qui est remontée. On est en train d'étudier. C'est quelque chose d'assez rigolo, les SCL. Habituellement, Red Hat, quand il construit sa distribution, il récupère le boulot qui a été fait dans Fedora. Et donc, dans Fedora, il y a des gens qui normalisent les règles de packaging, qui étudient le packaging et qui définissent les normes. Et puis qui réfléchissent, qui sont souvent un peu chiants, un peu poitiveux. Ce qu'on appelle le Fedora Packaging Committee, c'est des gens, des fois c'est assez rigolo. Le problème c'est que là les SCL, elles ont été développées par Red Hat, chez Red Hat. Et aujourd'hui Fedora est en train de regarder. Et donc il y a quelque chose qui est sorti, c'est qu'on ne devrait pas utiliser OPT Red Hat ETC, mais on devrait utiliser ETC, OPT, Red Hat. Puisque, voilà. De même, on ne devrait pas utiliser varlog ou varlib, mais on devrait utiliser var, OPT. Si on veut respecter la FSH.
Alors, la FHS est toujours pareil, elle est sujette à l'interprétation, elle n'est jamais très claire. Donc ça, c'est quelque chose qui va peut-être changer. Aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, ça changera peut-être. Je ne vous cache pas que de mettre les logs dans Varlog, ça aurait été plus pratique. Ça aurait été plus pratique parce qu'on n'aurait pas eu de problème de SE Linux. Puisque naturellement, comme on a un arbre séparé, il faut dupliquer toutes les policies SE Linux dans l'arbre en secondaire. Ça marche, hein. Je vous rassure, c'est livré, ça marche naturellement. Donc, c'est l'exemple d'Apache. Apache, il va écrire dans varwww qui est dans OPT. Voilà. Il y en a. De même, MariaDB ou MySQL vont écrire dans OPT, RH, MariaDB, root, varlib, MySQL. Parce qu'on peut avoir un serveur MySQL qui tourne dans le système en version 5.1 et un deuxième serveur MySQL qui tourne en collection dans un autre dossier avec des autres données. Ce n'est pas les mêmes données. C'est vraiment séparé. Après, ça se déplace, hein. On peut aussi s'amuser à changer les choses. Le port de HTTPD dans ce cas-là, c'est quoi? C'est 80? Alors, là, il y a un conflit de port. Clairement, il n'y a aucun conflit de fichier. Par contre, il y a un conflit de port. Si vous installez HTTPD, si vous installez les deux versions d'HTTPD, vous pourrez en démarrer qu'un seul. Ou alors, il faudra le modifier pour qu'il écoute sur le port 81 ou 82 ou 83. Même chose. MariaDB et MySQL écoutent sur le port 3306 standard. Si vous voulez faire tourner plusieurs versions, il faudra quand même changer les ports. Mais c'est pour faciliter la vie des clients. Les clients, eux, ils ont l'habitude de se connecter sur le port 3306. Voilà, c'est. On a dit que le conflit de port était acceptable. Ça, c'est des choix qui ont été faits. Hop, pardon. Comme ça, même pour être un peu. Si l'application tourne avec l'utilisateur, ça veut dire qu'elle va utiliser le même que l'autre. Parce que là, HTTPD 24, HTTPD. Ils tournent avec le compte Apache tous les deux. D'accord. Et il n'y a pas un problème si jamais il y en a un qui crée l'autre, qui supprime. Ou même comme l'escalade de droit, du coup, c'est le même utilisateur qui va lancer les versions. On peut passer de l'un à l'autre potentiellement. Oui, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire qu'ils tournent sur le même compte parce qu'effectivement on va souvent servir les mêmes données, dans les phases de transition, on va utiliser un dossier, bon, souvent les gens travaillent dans SRV, ils vont mettre leur site web dans SRV, ils vont tester avec les deux versions de la page, comme ça c'est les mêmes comptes utilisateurs. C'est une bonne question sur le démontage. Ben oui, c'est ce que j'étais en train de poser comme question. Je dis, tu installes en parallèle ton HTTP. Les deux Apache, un des deux va détruire l'utilisateur. C'est ça, ouais. Ouais, faut que je vérifie. Parce que je me dis, ton snippet à toi, c'est clair qu'il vérifie s'il n'existe pas, il va dire ok, je le mets. Ouais. Mais l'autre, l'HTTP de base, sauf si tu le rebuild avec une logique dans le snippet du RPM et du specfile, il ne sait pas, donc il va l'effacer. Ouais, non, mais il faut que je vérifie. Parce que toi, je sais qu'on a des tests de QA par exemple, qui disent quand tu démontes une SCL, il doit rester aucun fichier. Oui. Donc on a toutes les tests de QA, etc. Je regarderai, je pense que ça va rapporter le bug. Ah, en fait, donc, ça va impacter Apache, ça va impacter. Il n'y a pas de bug parce qu'on ne retire jamais les utilisateurs. On les retire pas, voilà. Bah, en tout cas, le Apache que j'ai, il y a juste l'ajout, mais pas le. Ah oui, bah, donc c'est bon. Moi, tu m'as mis des doutes. Bah, oui, j'ai pas regardé non plus. Enfin. Voilà. Mais ça peut arriver. Pour d'autres cas que des. Oh putain! Fin de journée. Tu sais, il y a une boîte qui fait des systèmes Linux fiables et tout ça, tu ne voudrais pas l'utiliser? Ouais, c'est ça, j'ai fait un. Marqué, c'est tous les gens qui ont fait de rack qui ont des problèmes ce matin, je sais pas. Celui-là, on l'a déjà vu. Comment l'utiliser? Alors, premier truc, bah, pour l'installer, hein, donc ça, je vous dis, c'est vraiment le plus simple pour le sysadmin qui veut l'utiliser. You must install PHP 55, et vous avez installé la stack PHP 55. Bon, après, vous pouvez installer les modules complémentaires. Hein, on n'installe pas toute la stack PHP, on installe juste la commande PHP en ligne de commande, et c'est tout. Hein, on installe pratiquement. Et puis, pire, on doit installer pire et puis une paire de bibliothèques, mais vraiment, c'est très très minime. Donc, si à l'issue de l'installation, vous faites PHP 6 sur le PHP 5, il va continuer à vous installer PHP 5.3.3. On n'a pas touché au PHP système. Donc, c'est là qu'il faut utiliser la commande magique, le launcher, pour pouvoir lancer le PHP de la collection. La commande, c'est SCL, la commande magique.
Enable, c'est la seule sous-commande existante au jour d'aujourd'hui. PHP, le nom de la collection et la commande que vous voulez passer. C'est un petit peu... Il suffit de connaître, hein, c'est pas compliqué. Et aussitôt, il vous dit qu'il utilise la version... Vous êtes passé en PHP 5.5.4. Ce n'est pas la bonne version, parce qu'on est en 5.5.6. Il y avait des copies d'écran qui étaient un peu... J'ai des copies d'écran qui sont un petit peu anciennes. Voilà. Donc quelque chose de très très simple. Si je veux utiliser un service, ça se passe comme pour un service normal. Simplement, le nom du service n'est pas fixé. Donc, soit service PHP 54-PHP-FPM statut, si vous voulez utiliser PHP FPM de la collection. Pour quand on sera en système D, système CTL, statut, le nom du service, toujours préfixé. Hein, donc, c'est les mêmes commandes que vous avez l'habitude, simplement avec le préfixe de la collection. Service marche aussi avec système D. Hein. Oui, mais j'ai fait exprès avec les deux. Pour le prestataire, bravo, bien joué. Voilà. Je suis tombé dans ton piège. Mais bon, j'aurais dû mettre chkconfig qui n'a pas été revrappé sur système D, c'est un peu dommage. Petite particularité pour mode PHP, alors je parle de mode PHP, j'ai tendance à dire, on en discutait tout à l'heure, crève mode PHP, crève. Voilà. Je suis développeur PHP. Hein. Mode PHP, il faudrait arriver à l'oublier ce truc-là. Enfin bon, c'est encore aujourd'hui la solution la plus simple de configurer un PHP sur un serveur web. Donc, petite particularité, c'est que si vous mettez deux modes PHP dans Apache, comme c'est les mêmes symboles, on est toujours sur la version 5, c'est toujours libphp5, qui nous appelle libphp5.so de mémoire. Vous pouvez en installer qu'une, enfin les deux peuvent s'installer en parallèle, mais Apache pourra en charger qu'une en mémoire. Donc c'est le seul petit truc, là, c'est un peu bricolage. Si vous voulez utiliser mode PHP, c'est pas forcément la meilleure solution, il faut retirer PHP et installer l'autre. Et automatiquement, s'il n'y en a qu'un installé, c'est celui-là qui sera utilisé. Si vous utilisez les deux, ça sera PHP 5.3 qui sera utilisé. Mais bon. Et après, il faut démarrer le service. Ce que je dis pour mode PHP est vrai pour mode WSCGI, qui doit être sur lesquels vous en avez au moins trois versions, parce que vous avez la version système, vous avez la version dans la collection Python 2.7 et vous avez une version dans la collection Python 3.3. Donc vous avez trois modes WSCGI. Donc là, il faut choisir lequel vous voulez. Vous n'en installez qu'un. Quoi. Vous pouvez installer les trois, ça ne pose pas de problème, mais il y en a qu'un qui marchera. Quoi. Et le premier par ordre alphabétique. Voilà, donc très très simple. Alors c'est vrai que le fait d'être obligé, si je reviens un petit peu en arrière, le fait d'être obligé d'utiliser le wrapper, c'est un petit peu embêtant, c'est que dans certains cas, vous êtes obligé de faire des launchers pour vos applications, etc. Souvent, un petit script, vous avez un petit script qui va activer la collection et exécuter votre script dans la collection. C'est-à-dire souvent, si vous avez un cron, si vous avez des crones, ou si vous avez des tâches ou des scripts que vous écrivez, bah, souvent, au début de votre script, vous mettez le SCL enable, et puis ici, vous mettez moins pour qu'il exécute le script qui n'avait rien. C'est un petit peu plus compliqué. Alors, je ne devrais pas le dire parce que ce n'est pas prévu pour les SCL. Il y a une collection qui marche sans utiliser cette commande-là. Il y en a une seule, c'est la collection PHP. Vous pouvez lancer directement, vous mettez le chemin complet de la commande PHP et ça marche. On n'a aucun problème. Mais c'est propre à PHP. Voilà. Alors, juste une petite démo pour vous montrer que ça marche. Si ça a marché. Donc, j'ai démarré une VM. Sur ma VM, donc j'ai bon, c'est une Red Hat, mais c'est une 6.5. Je le dis parce que sinon je vais vexer. Bien sûr, ce Linux est activé avec PHP 5.3 du système. Et j'ai installé en collection toutes les collections que. Donc la collection Apache 2.4, PHP 5.4, PHP 5.5 et MariaDB 5.5. Donc là, on est quand même sur des trucs quand même relativement au bout du jour. Donc le problème. Ah putain, c'est ce que je voulais pas montrer.
ouvrir le navigateur sur, sur le bon écran. Voilà. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est donc on est, je suis honnête avec vous, j'ai un seul serveur web, un seul Apache qui tourne sur ma machine. Hein. Donc bon là j'ai le mode PHP. Ah, j'ai dû faire une bêtise, c'est que j'ai dû mettre mon. Voilà. Donc ici j'ai PHP 5.3. Vous voyez simplement ici, hein, j'ai fait trois sous-sites. J'aurais pu faire trois VOS, j'aurais pu faire plein d'autres techniques. J'ai fait trois sous-URL de mon URL principal de ma machine. Donc j'ai PHP 5.3, PHP 5.4 et PHP 5.5. J'ai les trois versions qui tournent sur la même machine. Et donc je suis complètement capable d'utiliser la version, de tester une application. Alors normalement j'ai une application. Qui me connaissent, voilà. Bon, j'ai installé une petite application, c'est l'application dont j'ai été contributeur, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé. Donc là, j'ai mon application là pour le développer. Quand vous développez, vous pouvez complètement. Là, je la fais tourner en 5.5 et je suis complètement capable. Alors, hop. Pourquoi j'aime bien cette application là? Parce que ici, il y a des infos sur le système. Et donc il me dit operating system, donc j'utilise PHP 5.6 avec toute la description de mon installation. Voilà. Et donc cette même application, puisque alors ça me gonfle, mais c'est pas grand. Hop, je reviens. Je vais pouvoir aller chercher la même application en PHP 5.4 par exemple. Hein? Il m'a remis 5.5? Mais il est méchant, lui. C'est la complétion qui m'a embêté. Ça va, tiens, pour la peine, je vais dans 5.3. Voilà. Ouais, j'ai oublié de me déconnecter et j'ai un problème de cookie dans les sessions. Donc il faut se déconnecter avant parce que sinon avec les cookies qui se relancent l'URL, donc il faudrait que je quitte le navigateur, ce que je peux faire, mais c'est pas. On se met une application privée. Oui. On contrôle Shift P. Ça sert pas que à acheter des cadeaux sur internet. Alors, juste pour les sysadmins qui sont intéressés pour. Je précise quand même, j'ai posté sur mon blog cette config. C'est pas une config prod ready. Hein. C'est vraiment pour montrer qu'en trois directives, j'ai les trois versions de PHP qui tournent dans le même serveur d'Apache. Donc, bien sûr, j'ai utilisé des nouveautés d'Apache 2.4. C'est pour ça que je dis qu'Apache 2.4 est hyper attendu par les sysadmins, c'est parce qu'il a la notion de proxy face CGI, qui n'existait pas. Utiliser face CGI avant, c'était un petit peu la galère. Donc on ne peut pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trois directives proxy qui vont rediriger les trois sous-sites PHP 5.3, PHP 5.4, PHP 5.5, où tous les fichiers PHP. Il va les rediriger vers trois back-ends PHP FPM avec le chemin. Et puis j'ai trois alias pour les pages statiques, pour les images, les CSS, etc. J'ai juste mis trois alias pour qu'ils servent et qu'ils passent pas par FPM. Voilà, donc en fait j'ai trois. Là, ça me gonfle. Qui c'est qui a un Android et qui veut éteindre son Android pour qu'il arrête de me proposer. C'est toi qui m'emmerde. Je suis en access point. Bah, coupe l'access point, il arrêtera de m'embêter.
Non, puis je te proposais d'installer Gnome, il paraît que c'est vachement bien. voilà, donc ça c'est... Ouais, t'as un petit switch sur le côté. Hein? Il y a un petit switch sur le côté pour couper le wifi. L'autre côté. L'autre droite. Non, ça va bien venir. Ah, bien sûr. Voilà, donc ça c'est juste pour vous montrer. C'est une configuration basique, mais pour le développeur ou pour le gars qui veut tester, en trois commandes, en trois directives Apache, j'ai les trois versions de PHP qui tournent en parallèle sur Apache. C'est juste pour vous montrer que ça marche et que très simplement on peut le prouver. Si on voulait que la production soit production ready, bon là je suis quand même avec SELinux désactivé et tout, donc je suis quand même pas trop mal. Surtout c'est le problème de sécurisation de l'application où cette application-là en particulier, il y a des dossiers. Si vous avez des dossiers protégés avec des points htaccess, il faut savoir que les points htaccess ne passent pas à travers PHP FPM, etc. Bon, il y a des petites finesses, ceux qui ont joué avec PHP FPM le savent, il faut aller un petit peu plus loin dans la configuration. Juste pour info, dans Apache 2, 4, 10, on pourra activer PHP avec du 7 handler. Ça va être beaucoup, beaucoup plus simple. Voilà. Il y en a un qui s'intéresse au packaging. Ah, quand même. Alors, je ne vais pas vous dire comment packager des SCL, parce que ça, on pourrait effectivement y passer une demi-journée, voire une journée complète, pour faire du packaging SCL. C'est juste pour vous montrer, toucher le packaging SCL, voir comment ça fonctionne. Premièrement, je vous ai dit qu'une SCL, il y avait un paquet qui contenait le nom de la SCL. Donc ce paquet-là, en général, en plus c'est pas compliqué, on en prend un qui existe, on fait copier-coller et on change juste le nom. Ça s'arrête à ça. En fait, ce paquet-là, principalement, bon ici, voilà, on va dire le nom de la SCL, la seule partie intéressante, c'est qu'on va fabriquer le script d'Enable, le script qui dit qu'est-ce que je fais pour activer la collection. Activer la collection, c'est jamais... Ah, il y en a un autre. C'est jamais que modifier le pass, on rajoute le pass de la SCL et le man pass. Alors souvent on a aussi le ID library pass et on a souvent le PKG config pass. On peut avoir, enfin vous pouvez avoir le Python pass, vous pouvez rajouter autant de variables d'environnement. Les SCL, on joue sur l'environnement. Hein. Activer le SCL, c'est jamais que modifier l'environnement pour pointer sur cette arborescence à part. Voilà. Donc ce paquet-là, c'est pas le plus compliqué à faire, c'est le paquet qui va juste créer ce petit site-là, et en général, il fait que ça, quoi. Puis bon, après, il y a une macro magique pour créer l'arborescence, enfin, c'est assez magique, il n'y a vraiment pas grand-chose de compliqué. Si il est si simple que ça, pourquoi on ne peut pas créer avec un mode, une commande pour les virtuels lampes de Python, qui change le shell courant avec des passes qui... Et ben, c'est ce que fait la commande SCL. Oui, parce qu'on a forcément une commande derrière, il faudrait lancer bash ou autre. Bah on peut lancer SCL et enable bash. Ah, mais avec un point, tu peux. Ouais, tu fais SCL source. La commande c'est SCL, du coup, c'est pas SCL enable, c'est SCL source. Et après, modifie ton environnement et après, il est tranquille. Alors, je sais pas si c'est SCL source, c'est déjà dans la version qui est dans Red Hat, dans CentOS 6.5 ou ça, si ça sera dans la version qui va être livrée avec les Red Hat. Mais bon, ça, c'est prévu SCL source. Donc après, pour les paquets standards, les autres paquets, si vous voulez adapter un paquet à une SCL, en gros, la magie, elle est là, ici. Je dis, je traduis, si je suis dans une SCL, je lui dis que c'est le package fou. Il va faire une série de choses avec les macros. Et si je suis. Hop. Si je suis pas dans une SCL, bon là c'est simplement ça là, on s'en fout, vous n'avez pas obligé de la mettre celle-là. Mais ça c'est juste pour éviter de. Pour avoir une macro qui s'appelle PKGNM qui correspond au nom hors SCL. Pour avoir le nom dans la SCL et le nom hors de la SCL. Sinon, ce qui change, ben, à part ça, c'est que le nom et toutes les dépendances, on va les préfixer avec le préfixe de la SCL. Donc tous les noms de paquets vont être préfixés, par exemple PHP 54 si vous êtes dans la SCL PHP 54, et toutes les dépendances vont être préfixées par PHP 54 aussi. Alors bon là c'est un peu d'astuce pour savoir si c'est dans la SCL ou en dehors de la SCL. Mais voilà.
Et sinon, pour au niveau packaging, tout le reste est fait magiquement. C'est-à-dire que toutes les variables, toutes les macros que les packagers connaissent bien, qui désignent les chemins standards, donc si vos paquets sont bien faits et qu'ils utilisent les macros, par exemple bindir, qui correspond à USR bin, bah bindir devient le chemin des bins dans la SCL. Et si jamais vous avez besoin, normalement vous ne devriez pas avoir besoin de taper hors de la SCL, vous avez route bindir qui permet de taper hors de la SCL. Donc ce slide résume vraiment le travail à faire. C'est que même pour un packager, c'est simple de passer un paquet normal en paquet SCL. Ce n'est pas très compliqué. C'est juste ce préfixe qui fait tout. Après, ça. Alors bon, ça c'est. J'exagère en disant que c'est facile parce que bon, il y a des sucreries quand même, il y a un petit peu des sucreries, des astuces. On a découvert des petits trucs au fur et à mesure, mais bon, après. J'irais faire un paquet PHP, ça peut être très lourd. Le paquet PHP lui-même, les extensions PHP, c'est trickable. L'aspect là, il est compatible non SCL. Oui, alors ça, c'est la règle qu'on a choisie chez Red Hat. Et donc, les paquets qui sont dans Red Hat et dans CentOS sont des paquets génériques qui peuvent être buildés hors SCL et en SCL. Ils peuvent être buildés dans les deux. Après, c'est le problème de faire du conditionnel. Est-ce que ça a du sens ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on arrive à des paquets où il y a tellement de conditionnels que ça en devient illisible, il faut peut-être mieux de faire des paquets spécifiques. Mais pour certains paquets, on peut faire, là aujourd'hui, le paquet PHP, si vous prenez les sources de PHP qui sont dans les SCL, le paquet générique, vous pouvez le builder, vous avez un paquet PHP 5.4, vous le builder dans l'environnement SCL, vous obtenez un paquet SCL. Ça aussi très intéressant, c'est qu'il y a des paquets qui sont communs, par exemple, il y a plein de paquets qui vont être buildés une fois en PHP 54 et une fois en PHP 55. Et c'est le même spec, vous voyez, SCL préfixe, c'est une option. Donc pour les extensions PHP, vous buildez un coup en 54, un coup en 55, et vous avez le même source RPM qui fabrique deux paquets linéaires. Alors, donc on va voir la situation dans les distributions. Alors c'est rigolo parce que ce slide là il a presque un an, et il y a un an j'écrivais les SCL ont été autorisés dans Fedora, c'est-à-dire que le FESCO, le board de Fedora a autorisé les SCL. Les guidelines sont toujours en cours de revue. Voilà, ça fait un an. Donc on n'a toujours pas de guideline Fedora, donc il n'y a toujours pas de SCL dans Fedora. Mais ça pourra venir. Donc les gens du FPC travaillent dessus. On a un draft, on a les guidelines, ont été écrites, elles ont été retouchées, testées, implémentées, elles n'ont pas encore été validées. Donc pour l'instant, on a des outils, on a tout ce qu'il faut dans Fedora pour faire des SCL, on n'a juste pas le droit de le faire. Voilà, c'est un peu dommage. Alors les SCL, qu'est-ce qui existe aujourd'hui en termes de SCL? Qu'est-ce que vous avez à la disposition? Donc le premier outil qui existe, il s'appelle le produit donc Upstream Red Hat Developer Toolset version 2.0. Donc si mes infos, si je ne me suis pas trompé, il est en GA depuis septembre 2013. Il n'y a pas eu d'autres, pas eu septembre, il n'y a pas eu d'autres versions depuis. Il y a une de 1 bêta, je crois, non? Oui, il y a dû avoir la bêta qui a dû sortir. Donc il est backporté dans les dépôts CentOS. Donc il est disponible, celui-là, pour la version 5 et la version 6. Il fournit principalement Eclipse 4.3, GCC 4.8, GDB 7.6. Donc ça, c'est surtout les outils. Il y a plein d'autres trucs, hein, mais ça, c'est surtout les outils de développement. Il est super, super pratique. J'ai, pour info, pour compiler, si vous voulez compiler Firefox, par exemple, ou CentOS, vous ne pouvez pas compiler Firefox. Ce n'est pas possible. Firefox refuse de builder si vous n'avez pas un GCC récent. Le GCC de CentOS ne permet pas de builder Firefox. Donc moi, je m'abusais quand je le buildais, là j'ai plus le temps. J'utilisais le GCC de DTS pour builder Firefox. Et après, il peut être exécuté sans la collection. Donc c'était vraiment très pratique.
Donc le deuxième produit qui a été publié, il s'appelle Red Hat Software Collection 1.0. Donc il est sorti en septembre 2013 aussi. À peu près, ils sont sortis en même temps. Donc il est aussi disponible dans les dépôts CentOS. Il contenait à l'époque MariaDB 5.5.32, MySQL 5.5.32, Postgres 9.2 quelque chose. Et au niveau langage, on avait du Perl, du PHP, du Python, du Ruby, du Node.js. Donc ça, c'était la première livraison. Ça donnait déjà quand même un bon signe, je pense. On répondait quand même déjà, on couvrait déjà quelque chose de pas mal. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à s'y mettre. Ce qui arrive derrière, donc c'est le produit donc upstream, c'est Red Hat Software Collection 1.1, qui pour l'instant est en bêta depuis le mois dernier, donc depuis un peu plus de 15 jours, qui logiquement devrait être apporté, devrait être GA bientôt. Et quand il sera GA, normalement, on devrait le retrouver, je pense et j'espère, dans CentOS. Et alors là, il reprend la même chose, mais il amène quand même des gros morceaux supplémentaires, pour vous, j'espère que vous apprécierez. MongoDB, qui était quand même pas mal demandé. Apache 2.4, ça c'est mon petit préféré, c'est un de mes préférés. Nginx aussi, grosse demande des utilisateurs. Et puis dans les langages, on avait PHP 5.4, maintenant on a PHP 5.5. Python, ça n'a pas changé. Et Ruby, on a Ruby 2.0. Donc c'est, je crois que j'en ai pas oublié, mais ça fait toutes les nouveautés. Donc là vraiment, on se retrouve avec quand même des outils sur une CentOS ou une Red Hat 6, qui a quand même une distribution vieillissante. Quel âge maintenant? 5 ans 2010, donc 4 ans, oui. Sur une distribution qui a 4 ans, on a quand même des logiciels qui ne sont pas très vieux, quoi. Qui vont évoluer. C'était marqué sur le slide d'avant. Par contre, il n'y a pas 10 ans de support. Il n'y aura pas 10 ans de support sur les SCL. Aujourd'hui, c'est 3 ans de support. Alors, normalement, CentOS, c'est la même chose que Red Hat. Enfin, je veux dire, ils ne peuvent pas faire plus que Red Hat, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est du 3 ans de support. Ce qui ne veut pas dire qu'on va abandonner les utilisateurs. Typiquement, ceux qui ont pris PHP 5.4. Ils vont me dire, bah ouais, mais qu'est-ce que je fais quand PHP 5.4 dans 3 ans s'il n'est plus maintenu? Bah, premièrement, il y a une première possibilité, c'est de passer à PHP 5.5. Ou 5.6 ou 5.7, je ne sais pas ce qu'il y aura dans 2 ans ou dans 3 ans. Et puis sinon, si vous vraiment vous voulez du 5.4 et puis vous voulez 10 ans de support, bah, vous passez à CentOS 6.7 et là vous avez PHP 5.4 maintenu pendant 10 ans. Hein, si vous voulez du 10 ans, il faut prendre la version du système. C'est quand même deux choses différentes. Là, le but c'est de fournir des versions récentes. Si on fournit des versions récentes, c'est pas pour les maintenir pendant 10 ans. Hein, le but, c'est qu'on veut aller plus vite. Donc là, on faut quand même. Donc du coup, Red Hat se retrouve à maintenir quand même 3 versions en parallèle pour, de PHP, 3 de Python, etc. Elles ne sont pas toutes les 3 maintenues 10 ans. Il n'y en a qu'une qui sera maintenue 10 ans. Il faut quand même le savoir. Mais on n'obligera pas les gens à revenir en arrière. Au pire, il faudra qu'ils avancent. On ne peut pas non plus avoir le beurre et l'argent. Juste pour ajouter quand même une petite nuance, c'est que sur 10 ans, le support, enfin les premières distributions Red Hat Enterprise ont montré qu'à certains moments, c'était plus possible de backporter les security fixes. Et donc, par exemple, pour MySQL 5.1 qui était dans la Red Hat 5, à ce moment, Red Hat a dit on n'a pas le choix, il faut qu'on upgrade, on ne sera plus supporté. Donc il y a eu un upgrade pass qui était possible pour passer à MySQL 5.5 nativement dans CentOS 5, dans Red Hat Enterprise 5, sans passer par les software collection. Donc ça veut dire que à ce moment, maintenant, est-ce que les software collection vont combler ce trou-là? À ce moment, je crois que Red Hat est obligé de répondre pour le fait qu'un package à distro n'est plus maintenable du tout. Firefox a été plusieurs fois, il y a eu un rebase évidemment. En augmentant Firefox, ils font des rebases. MySQL, il y a un problème d'open source, parce que MySQL est vraiment opaque sur sa gestion, et c'est un gros problème. Donc il y a eu des rebases. MySQL, ils ont fait des rebases, mais sur les mineurs. En 5, en fait, quand tu regardes, ça a été passé, tu as le grade pass pour passer à la MySQL 5.5. Donc tu avais le MySQL 5.0, je ne sais plus combien, dans la Red Hat Enterprise. Oui, mais elle est toujours maintenue. Non, elle est maintenue. Non, le package n'a plus aucune update, plus rien du tout. Il faut lire les